Kylian Faucheux, 14 ans, n'est pas un adolescent comme les autres. Ce collégien de 3e est actuellement considéré comme le futur prodige du e-sport en France, du sport via les jeux vidéo. Sa spécialité, le football. Le jeune Marc débute avec sa touche carrée et déplace ses joueurs avec son joystick depuis ses 6 ans. Quand j'étais petit, je jouais avec mon père un petit peu aux jeux vidéo avant. J'étais moins fort, donc je perdais souvent. Et après, je me suis entraîné. Je jouais un peu en ligne. Et du coup, après, l'envie de jouer aux jeux vidéo, surtout aux jeux de foot, elle m'a apparu comme ça. Après avoir remporté des centaines de matchs en ligne, Kylian alias Kilziu s'est fait un nom ou plutôt un pseudo dans le milieu. En 2015, il a intégré la Neo eSports 95, une équipe d'une quinzaine d'adeptes composée selon les spécialistes des meilleurs joueurs du monde sur les jeux de football FIFA et PES. C'est mieux pour beaucoup de choses, pour aussi l'esprit d'équipe. Il y a les tournois qui se font aussi en équipe. Il y a toujours ton président ou n'importe qui peut te dépanner pour quelque chose, t'amener en tournoi, on part à plusieurs. C'est toujours mieux que partir tout seul à 5 heures de route, c'est mieux d'être en équipe. Une alchimie qui fonctionne, Kylian a remporté des dizaines de tournois dont celui de la Paris Games Week, des performances qui lui ont permis d'empocher près de 1500 euros cette année. Mais pour continuer à progresser, le sportif virtuel s'entraîne une heure tous les jours, une passion encouragée par sa mère sous certaines conditions. Je vais te pousser à continuer, mais comme tous les parents, à condition qu'il soit sérieux au niveau de ses notes et de ses études. Un entraînement nécessaire pour accomplir son plus grand rêve, devenir le meilleur joueur du monde du e-sport dans les prochaines années.